en famille chrétienne, les pires. Et qu'on est là où on est habillé, parraine, marraine, campé devant. Et puis qu'on est là, bon moi, monsieur Gomba, il fait une sorte de l'huile sainte. On l'huile dans l'huile sainte. Par contre, quand il fait, quand il y en avait lui. Et puis qu'on est là, il a passé dans la fontaine tête de Timouna, soi-disant, il a béni. Mais frère, pas. C'est le Saint-Esprit ou un monde avec Saint-Esprit, pas avec l'huile, ça pas existe encore. Et en plus, quand on joue avec l'huile, ça. Oh, les nations pas qu'à imiter l'huile que Moïse te fabriqué pour tabernacle dans le mont Sinaï. Aucune nation pas qu'à imiter. Bon, on a une nation à imiter. Oh, il y a un Saint-Esprit pour moi, on est là où laisse Saint-Esprit. Onction, c'est qui ça? 1 Jean 2, 27. Ça, onction. 1 Jean 2, 27, li clair. Pour le montrer, nous, onction, c'est qui ça? Regardez, 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, on vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En son action, dans le Saint-Esprit, pour le plaire. Parce que si on a mensonge, le Saint-Esprit pas la donne. Hein? Comme il dit dans l'Apocalypse. Si on a mensonge, le Saint-Esprit pas là. Li pas là. Dans Apocalypse 21, verset 27, là, c'est ça le dit. Il n'entrera dans la ville, rien de souillé. Il n'entrera chez elle, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui ont leur nom écrit. Que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mensonge pas entrer la Kaeli. Ouvre le chita sous fond de ma pote là, c'est chita, c'est soit sous lui ou bien pas sous lui. Paul clair. Paul très clair pour le dire ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 1er 2. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1er 2, il dit bien ça. C'est pour nous le dire. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, a une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Mais lorsque ton côté, vous avez annoncé l'évangile qui n'est pas même bon, que vous avez monté, ou en colère, ou entre en colère, ou sort en colère, tout ça qu'a fait, au contraire à la Bible, et vous êtes toujours là. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite, vous avez tout menti. Jésus-Christ l'a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Afin que vous ne participiez pas à ces fléaux. À ces fléaux. Parce qu'elle l'a frappé, elle n'a pas pépagné, elle l'a frappé autour parce qu'elle est sortie déjà. Elle est sortie déjà. À quoi ça sert? Dis-moi, je suis homme de Dieu et puis je ne peux pas obéir à la vérité. Je ne peux pas défendre la vérité. Hein? Dans Apocalypse 21, qui ça dit? Le verset 8. Apocalypse 21, verset 8, tant de qui ça le dit? Parce que mensonge là, bien on a dit, on a un mensonge, on a pensé que ou bien problème avec, mais c'est mensonge. Depuis la Bible, pas dit, c'est mensonge qui est lié. Apocalypse 21, le verset 8, ça le dit. Mais pour les lâches, on ne peut pas dire vérité. Yo. Parce que depuis là, on supporte mensonge là. On supporte. Si on ne supporte mensonge, c'est retirer corps. Parce qu'on l'a. Béni soit l'Éternel, on dit béni soit l'Éternel. Pas que béni soit Jésus. Béni soit l'Éternel, on dit béni soit l'Éternel. Debout ou debout. D'abord, vous vivez ou le vivez. Vous supportez. Ou appuyez. Et si vous appuyez. Qui ça oui? Comment y aurait-il? Comment la Bible est-il? Mais pour les lâches, les incrédules, les gens qui ont des vérités à quoi, qui ne font pas attention à elles, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs,
les idolâtres et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Leur pas sera dans les temps ardent de feu et de soufre, qui, ce qui est la seconde mort. Dans Jean 8, 44, lit clair, oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Hein? Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi? Parce que vous avez pour père le diable. Et c'est normal. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur et le père du mensonge. Jean 4, 24, car Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comment qu'a dit mon rempli du Saint-Esprit ou à diriger en tant que femme? Non. Pas du tout. Parce que tout ça, il a fait, il n'a pas écrit. Pour le mouton, il n'a pas écrit. Ça, la Bible dit, c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. La Bible a parlé de tout mal premier-né de consacrer au Seigneur, mais il a même c'est pas ça qu'il a fait. Et si il a fait normalement, il a fait la manière d'Israël, il faut qu'on a là, parents qui ont besoin, même si je n'en passe, c'est quoi ça, je n'en fait tout, oui. Parce que normalement, comme frère Origène te dit, pour dimanche, les s'il t'a en passé, t'a mis chita pour t'a faire mener quelques cabrites, cochons, toutes sortes de bêtes, moutons, et denrées, bali, pour le garder, parce que t'a mis en pile bali, parce que c'est la dîme. Faut mener denrées bali. Alors, même si m'ta pas choisi, les s'il t'a fait, m'ta campé qu'on a pour me dire, bon, madame, comme vous accouchez, ou besoin d'une circoncision, garçon, non, parce qu'il faut accepter avec ça. Vin circoncision, le 8e jour, on a l'âme, t'a déjà dit, Maria, mais madame, moi, vin circoncision, non, le 8e jour. Après 8e jour après accouchement. Et puis après, ma femme m'a amené à la caille. Et puis pour le passer 33 jours là. Et après 33 jours, on m'a dit, on vient deux pères pigeons, deux jeunes pigeons, deux jeunes toutrelles, pour venir bouler, pour soquer madame Nicoulé. C'est ça la Bible dit. Si nous voulons appliquer, c'est quoi ça, vous n'appliquez. Et puis ensuite, hein? Et puis ensuite, si vous n'avez pas qu'à bailler, parce que moi, je suis forcé pour bailler, parce que vous n'avez pas joué. Moi, je ne peux pas vivre tout. Je ne peux pas forcer parce que c'est un mouton pour sacrifier. Maintenant, un mouton. Et puis, on a vu tuer un mouton pour sacrifier, pour demander pardon, pour ça qui coulait. Et puis, on a vu, je ne sais pas si on a fait une chambre spéciale ou bien si on a devant, ça y aurait les chairs là. On a boulé tout là avec pigeon hein, ou bien mouton. On a pas obligé de faire là devant tout le monde. Et puis, on a pu présenter si on a au top ou bien au Seigneur. Comme lui-même il dit au top, mais la Bible dit au Seigneur. Voilà, c'est ça l'évangile. Exemple plus parfait là, plus correct là, c'est lui. C'est que, si mon enfant fait dans la maison Seigneur là, il fait tout saint, tout béni. Parce que papa et maman, ce sont des serviteurs et servantes de Dieu. Voilà. Alors, nous avons besoin des hommes qui a capacité pour vivre selon la parole de la vérité, qui est honnête à la vérité. Non pas des gens qui prétendent qu'ils sont dans la vérité ou bien qu'ils observent Christ, pourtant qui est complètement loin. Loin. Pourquoi? Parce que si on rentre dans la parole de la vérité, ils vont comprendre. Parce que c'est la parole, c'est la vérité. C'est la vérité, chers téléspectateurs. Alors nous besoin comprendre chaque bagaille la Bible dit pour l'examiner, le comprendre. Pas courir faire un bagaille parce que mon a dit faire et pour faire ça qu'on pas même moi ça la Bible dit. Trop bagaille, présentation au temple, lit pas selon l'évangile, lit pas l'évangile, lit biblique mais pas évangélique, lit pas selon l'évangile Christ baille là, lit pas selon la foi. La dîme n'est pas selon la foi chez téléspectateurs, lit pas existe encore. Tête qui parvoile, elle pas selon l'évangile. Tout ça, yo, mes amis, côté nous prenons la veille. Baptême, yo, bon, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, elle pas selon l'évangile. Mais qui ça bon dans mi-temps?
7 scènes yo fait, yo fait 50 000 petits coupes avec une série de longs sticks et yo bail, li passé l'évangile. Mais qui ça bon? Qui ça yo fait bon? Qui ça que l'évangile? Puis l'ambiance musique comment vivre tout de 24 sur 24 ou pas 4 ans, tu perds tout des séries de monde. Yo la mité depuis mon entrée tête fait mal prête pour exploser tête parce que trop bruit. Mais amis. Mais bah Jésus qui ont tipé quand même. Cherchez-le dans la simplicité, dans le calme. Ou a fait l'ouranger, mais ce n'est pas comme musique là, que c'est l'esprit. Qui s'axe dans l'évangile là? Hein? Cette scène dans la 50 000 petits couples, oh la Bible dit une couple. Ah, ce n'est pas l'évangile. Perdre et rompi, ou pas même, à côté rompi, parce qu'on met un paquet de l'eau, c'est tout découpé, bah où? V1. C'est juré, c'est yobay. Son J douce, c'est yobay. Enfin, Jean-Yobay fait bien parce que son côté, il y en a qui acheté ça correctement. Pain, c'est acheter ou acheter. La maquette, il y a même pain, ou bay, pain, même il y a un bout de morceau pain, il y a de l'eau, yobay. Qui ça qui vrai? Qui ça qui fait qui vrai? Hein? Festin, na festin, ça qui passe pour festin là? Mouna gontren kap traîne depuis des idoles. Hein? Et puis, femme kap mariée là. Comment lier? Les décorer tant qu'on sorcier. S'il pas qu'on mette zano, le mette zano. S'il pas qu'on mette forger, le mette forger. S'il pas qu'on petit ressource, il petit ressource. Et puis ça pire d'après, on a l'air rivé, là, le petit ressource, à l'oubli, au fond de chasse. C'est vrai alors. Rad la qu'on a remetté, rad la baye femme dans là. Parce que non, discoye, Angelina Jolie a marié, le marié comme ça, c'est normal. Vous même, parce que vous êtes à la mode. Qui ça de vrai chez téléspectateurs? Ça y enseigne que vrai. Hein? Qui ça y enseigne que vrai? Kounye la mezi bout sa moun nan deyo, li gen fozong, et puis kounye yo ba li yon bag. Soit disant yo di que la Bible dit, enfin la Bible parle d'alliance, et gen 8 alliances à travers la Bible. Environ, m'pa wè kote yon alliance se fait avec bag. Alliance de Dieu avec son peuple, bah ouais, c'est bague. Alors qu'on n'a pas de texte qui confirme maintenant là, pour y mettre bague. Oh, le Seigneur, bijou, mon Christ, pas là, fait bijou. Alors, qui ça vrai? Et au tout ça est légal, tout ça est bon, c'est la Bible. Hmm? Ça est enseigné qui est vrai. Qui ça que l'évangile, qui selon la Bible, selon ça qui est écrit? Là? Est-ce qu'on a souri devant vos questions, est-ce qu'il y a pas répondre? Si pas jour, il y a jour. Jouer pour jouer. Et puis, le jour, il y a peut-être tout, il y a des monstres, il y a toutes sortes de bagailles. Parce que ce qu'on dit, il n'y a pas qu'à preuve dans la parole de Dieu. Ça fait Jésus qui dit, monsieur les Napli, faites attention. Les Napli, faites attention pour nous, ça qui est Napli, pour ne pas dire n'importe bagaille. Pour ne pas dire n'importe bagaille. Hein? Faites attention. Qui ça vous est? Ou rive gon récolte di dimanche, alors moi obligé énumérer tout bagay qui pas bon ba ou en résumé ou gon école di dimanche Sunday school pour partie anglaise enfin partie anglaise Sunday school bon quand ça existe Sunday et puis on dit Sunday oui parce que comme catholique ou ben ou bien Augustin ba yo dimanche là yo obligé mentionner Sunday school hein oh le fondement des apôtres ben nous chaque jour qui ça vrai là alors. Ouais, oui, bon, on paquet petit bannière, on honore une cérémonie qui mourit longtemps, vieux esprit entre là-dedans, même bien catholique là. Là, on mettait chaque côté, on construit un temple, sous un monde qui était mouillé, et puis on a vénéré. On a eu Déborah, on a eu Samuel, chaque classe, on a venu pour fêter, fête Samuel, fête Déborah. Bon, qui ça vrai dans le temps là? Quoi de ça que l'évangile là même? Hmm? Qui ça que l'évangile? La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, bon, yo fait. Qui ça yo fait bon? Hmm? Peut-être que il y a un orphelinat. Il y a bail quelques sachets d'huile en Haïti. Ça y fait bon Angelina Jolie fait. Chers téléspectateurs, Angelina Jolie fait, Brad Pitt fait, tout ça y fait. Et moun mauvaise vie y fait tout. Alors qui ça y fait bon? Ça y fait pareil y fait tout. Jésus qui dit dans Matthieu 5 le verset 20, il dit je vous le dis en vérité, si votre justice ne suit pas celle
des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et son parole certaine qu'elle lit. Si que justice soit pas su par ces justices pharisiens, scribes, on ne peut pas mettre près de pied. On ne peut pas mettre près de pied. Personne ne peut entrer. Qui ça vrai? On parle de faire œuvre. Mais il faut venir valider les œuvres dans la parole de la vérité. Parce que sans vérité, on ne peut pas sauver. Hein? C'est la parole. Au besoin d'adapter avec ça qui est écrit selon Jean l'écrit. Selon Jean le fait. Je ne peux pas dire que c'est Christ pour faire des choses que Christ n'a pas demandé. C'est tout, mettons, à côté. Et pour arriver devant les gens qui ont fait des choses qui passent selon Christ là, et bien normalement, les gens ne peuvent pas faire des choses qui fait que c'est excité et prêt à jouer et faire des choses qui sont même les mêmes, mais ils ne peuvent pas faire des choses. Imaginons. Ce n'est pas l'évangile. Nous avons besoin de mérer dans la parole. Dans la parole de la vérité. Nous avons besoin d'enseigner ça qui est vrai. Et l'aide fin enseigner pour nous fier de ça, nous enseigner, pour nous sentir nous bénis. Parce que pas quand c'est nos barrières qu'on connaît pas vrai pour m'amouter bon, chercher les sectataires, ou qu'on est, ouais, ma botex, oui, ou qu'on est. Non, 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 non. La Bible parle de personne, nous ne parlons pas de la Bible, qui parle pour tête li. La Bible est assez claire. Bah, nous ne texte ça. Vine l'île pour qu'on tout, gardez pour ça la Bible dit. Et comprendre. Hein? Comprendre, parce que la Bible est claire. Alors pourquoi est-ce que la Bible écrit déjà, oui, bon, on connaît, oui, mais non, 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 frère Pam, qu'est-ce que vous avez fait, mais je crois que je pense que vous mettez qu'est-ce que vous parce que l'évangile n'est pas là-dedans, il n'est pas avec vous là. Non. De vous parler, je pense que je crois que vous parlez dans mais. De vous parler, vous avez une question, vous avez une question, vous avez une moto, vous avez une question, parce que là, non, je ne sais pas, vous avez une question, vous avez une question, à n'importe moment. À n'importe moment. Parce que là, nous vivons dans un moment. Nous vivons dans un moment si apostasique pour aller plus loin. Hein? Nous avons marié à chien, nous avons marié à chat. Et c'est tant que les gens qui sont dit homme de Dieu, ils ont quitté la Bible complètement. Quitté la Bible complètement, ils ont allé bien loin. Et ils ont prétendu qu'ils ont servi Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont prétendu qu'ils ont marché avec Christ pour être à côté. Parce qu'ils n'ont pas qu'à arriver. Laisser le monde pour marcher avec Christ, il est obligé d'embrasser le monde pour avancer sans Christ. Et là, on a dit ça, qu'on y a là, ou après, il y a des gens qui ne sont pas contents à cause de ça. Alors, chers téléspectateurs, ou même captandés, avec bon sens et bon comprendre, et qui analysent la parole, qui comprennent ce que la parole dit, gardez à travers la Bible, ou ouais, ça la Bible écrit, alors, on a prié, comme Paul te dit, parlez passion de Dieu à appliquer ça qui est écrit dans la parole de vérité. Parce qu'il est déjà écrit déjà. Il est déjà écrit déjà. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Nous allons regarder un texte, chers téléspectateurs, nous allons regarder un verset. C'est dans 2 Pierre. Ou pour aller qui ça, la parole de Dieu dit. Lorsque mon a détourné parole de vérité à 2 Pierre 2, le verset 16. 2 Pierre 2, le verset 16. Ou après maintenant, pourquoi mon sa yo a tordé la parole? Pourquoi yo tordé ça qui écrit pour yo soit disant Dieu c'est mon Christ, ça marche à Christ? Et pourtant, pas un pis bien que yo. Un monde qui sans Christ, pas même converti mieux que yo. Le verset 16, ça le dit. Ce qu'il fait dans tout. 2 Pierre 2, le verset 16. Ce qu'il fait dans toutes les lettres. Avant de parler, commencez à lire dans le verset 14 pour qu'on comprenne bien. Le verset 14 pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, et mal affermi, tordent le sens. Hein?
Personne ignorante et mal affermie tord le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Parce que les tourner sa Bible à dire tord des sens li. Mais c'est pour propre ruine moun nan, c'est pour moun nan péri. Bah quand ça son moun pral prêcher mensonge et puis qu'on a la soif dit pas vrai, au péri, c'est tout. On a besoin de convertir Christ pour dire vérité parce que les voilés, les quoi pas lire la parole de Dieu, ou pas qu'à comprendre comme ça si c'est pas en Christ, ou pas baptiser au nom de Jésus, comment on veut comprendre la parole de Jésus, tout le mystère Christ ça. Non, ou pas qu'on a dévoilé, ou pas qu'on a dévoilé d'ailleurs. Hein? Ou pas en sévéli avec lui. Mais comment on a gagné mystère lui? Ou pas en sévéli avec lui, comment péché ou pardonner? Ou pas en sévéli avec lui, comment on recevoir cet esprit? Ou pas en sévéli avec lui, pas comprendre. On ne comprend pas son bagage qui est drôle. Parce que je dis que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Hein? Dans Luc 24, ça le dit. 46, 47, 48. Hein? Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À commencer à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem, l'évangile a de commencer pour nous prendre l'évangile solide là, mais ce n'est pas à Rome. Et si c'est ça à Rome, nous prenons, il gâte, il plaît à la tradition. Ils ont besoin de jeter toutes vieilles traditions, jeter toutes vieilles principes, jeter toutes vieilles systèmes, parce que c'est contraire à la parole. Ils ne sont pas bons, ils sont pourris, ils sont gâtés. Et ils ont bon vent passé. Pourquoi? Parce que l'homme a mangé qui n'est pas bon. Ça, bon, il est bon, gros vent. Il est gonflé. Parce que l'évangile qui a prêché là, ce n'est pas sacrissement déjà. Ce n'est pas le fondement des apôtres. Non, ce n'est pas le fondement des apôtres. Sous fondement apôtre, l'église a campé. Nous, le baptême commencé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement des apôtres. Nous, chaque jour, enseignement, communion fraternelle, fraction du Père. Ça, c'est le fondement des apôtres. Nous, les femmes, non. Pagé doit prendre la parole, parler dans l'assemblée, oui, enseigner. Ça, c'est le fondement des apôtres. Nous, les familles, voilées correctement. Ça, c'est le fondement des apôtres. Nous, les pagés, présentation au temple ou bien au Seigneur. Ça, c'est le fondement des apôtres. Et nous, aussi, chers téléspectateurs, familles bien voilées. Ça, c'est le fondement des apôtres. Nous, hommes de Dieu, respectés, personnalité, ça c'est le fondement des apôtres. Parce que ils s'est appliqué à la parole, Jean que l'évangile dit là. Ils n'ont pas quitté ça, la Bible dit. Parce que ils connaissent, ils ont quitté ça, la Bible dit, ils ont des problèmes. Ils connaissent, ils n'ont pas fait ça, la Bible dit, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, chers téléspectateurs. Ils ont des problèmes. C'est l'évangile écrit déjà. Il écrit déjà. Et si ouais, l'évangile amendé. Bral dou tout point qui amendé. Si vous amendez, vous avez une chance. Si ça la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. S'il y a amendé, vous avez une chance. Si le fait que la Bible dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, l'y amendé ou bien annulé, vous avez la vie. Si le fait que la Bible dit que pour recevoir pardon pour péché et pour recevoir cet esprit, c'est au nom de Jésus-Christ vous devez baptiser, c'est pas ça, il a sauvé. Mais sinon, ça a péri. Et si aussi la dîme est toujours en vigueur, j'ai pensé là, il a sauvé. Mais si elle n'est pas en vigueur, il a péri. Si le fait que il a présenté Timoun au temple, j'en ai dit là, et la Bible dit au Seigneur, lui existait toujours, il a bien la vie. Et si le fait que il a vu une assemblée avec pantalon sous yo, tout tourné, hein, faux cheveux, faux jambes, maquillage, tout ça, il a amendé, il a vu une église comme l'église catholique complètement, mais bon, voilà, il a sauvé. On a là, ni catholique romaine, ni nous mettre foncelle. Comme nous préparons déjà foncelle, alors nous mettre foncelle sans problème parce que nous tout avons gagné la vie. Mais si, ouais,
Jésus-Christ est venu dans la ville. Il baille la ville pour sauver l'humanité. Et les gens qui veulent, bien entendu. Parce qu'il vient, il baille la ville pour sauver tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte de sauver. Si vraiment vous savez ce qui est écrit dans la Bible, ça qui n'a même pas. C'est ça l'évangile dit. Et c'est ça la Bible demande pour nous sauver en tant que chrétien. Eh bien, vraiment triste, désolé pour vous dire ça, au périgrand matin. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez être en Jésus-Christ, vous êtes les plus malheureux du monde. Et c'est ça que fait moun sa yo. Yo pa ka vin kay Christ, yo pa ka servi Christ dans l'évangile. Christ mandé qui est sur le fondement des apôtres qui est Christ. Quand on dit le fondement des apôtres, ça veut dire Christ. Fondement apôtre là, c'est Christ qui est lié. C'est ça que fait que yo pa ka appliquer. Parce que le conseil de moun, c'est désordre que yo yé. Moun ki désordre pour aller rete côté gen désordre. Moun ki louga ou pour aller côté gen louga ou. Moun ki remè madame moun pou al kote gen madame moun, remè madame moun pou fè sa yo vle. Moun ki nan mari moun pou al kote gen mari moun pou yo fè sa yo vle. Pourquoi? Parce que pa gen personne moun kap di yo non, yo bien. Moun ki kote ke yo ap goumen yo fè sa yo vle, déjà tête là pa bon qu'on a tout moun. Ou vin go l'église plongé totalement dans le péché. Mais c'est normal, porte la ouverte, tout moun vini parce que tout moun libre. Tout moun libre. Hein? Tout moun libre. Seulement kou péché, me poser loi m sou, mais kou péché. Là, c'est, je suis le chef. Non, frère Pam, il n'y a pas fonctionné comme ça. Quand c'est cher qui font bagay, loi imposé sous lui et puis rapide condamnation. Mais quand c'est où? Non. On doit sortir dans la tête l'église là. Sortir dans la tête l'assemblée là. Enfin, si c'est l'église Christ. Parce que normalement, Paul dit, avec jeune homme dans 1 Corinthiens 5 ans, il dit, ôtez le méchant du milieu de nous. Ôtez le méchant du milieu de nous. Il dit, frère, je ne dis pas pour nous retirer nous dans le monde. Mais si nous avons un frère, soi-disant, les frères ou bien soeurs, et puis il y a impudicité, c'est pour nous pas même manger sur le même table avec elle. Oh, c'est le contraire, oui, n'a pas maintenant. C'est le contraire. Parce que, frère Patrick, il y a madame Moun, mais en même temps, c'est lui qui a pensé nous. Ou qu'on est Frère Patrick là-dedans, mais pas grand problème pour Frère Patrick enseigner ou non. Or, ça texte a dit, ôtez le méchant du milieu de nous. Hein? C'est la parole. A dit, vin gong, église, et tant que le péché régnait, li vin renou avec plus. Et ou vin pas intéressé à appliquer ça à la Bible, demandé. Ça pas intéressé ou. Ou vini jonvle, ou vini lovle, puis voilà, fatal a été plus intéressé. Parce que pourquoi? Parce qu'on laissait ça à la Bible dit. Ou ignorer complètement, ou laisser Christ, et puis voilà. Qui ça Paul dit? Paul dit, l'église, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Quelle parole! Et maintenant, qui est ce homme de Dieu qui a campé devant l'église, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Qui est-ce? Hein? Est-ce qu'on a dit? On a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que tellement marché dans la foi, dans la vérité. Ou qu'a dit, personne n'a pas dit. Tu n'as pas dit. Pourquoi? Parce que déjà, peut-être que les gens connaissent que ça l'a dit à vrai. Et c'est vous-même qui pouvez faire mon ouest, ça va dire vrai avec l'esprit qui est animé là. Si c'est l'esprit de vérité qui a transmis la parole là-dedans, qui a montré ou visé sur ça qui est écrit. Il n'y a pas tant de nous, c'est normal parce que la parole dit. Hein? Et ce n'est pas là que tu vas comprendre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur là. Même Jean le dit dans 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 5-6. 1 Jean 4, le verset 5-6, ça le dit. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Les gens n'ont pas parlé. C'est le monde tout pire. Pas comme mon Jésus, pas comme la Bible dit, pas comme la Bible défend, pas comme la Bible pas d'accord, ça ne va pas sortir dans la bouche. Li. Tout est permis. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. C'est normal. C'est normal. Alors, parce que les gens qui ont violé la loi, qui attendaient, les gens qui ont dit pas violer la loi. Mais non, ça n'est pas fait. Ce n'est pas possible.
n'est pas possible. Et le verset 6, il dit, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et de l'erreur. Et de l'erreur. Est-ce que ça n'enseigne pas? Ce n'est pas l'évangile, nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu.